Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de pouvoir m'exprimer à cette conclave des ministres de la Défense des pays de la région de l'océan Indien organisée en marge de l'exposition de l'industrie de la défense indienne intitulée Aero Indien 2021. Je tiens tout d'abord à féliciter le ministre de la Défense de l'Inde, pays hôte, pour l'organisation d'un tel événement. À l'avance, je voudrais m'excuser de ne pas être présent parmi vous aujourd'hui. Mais néanmoins, la République de Djibouti sera bel et bien présentée à cette importante réunion par les biais de son ambassadeur en Inde, Son Excellence Saïd Absiyi Warsama, et du commandant des gardes-côtes djiboutiennes, colonel Waïs Omar Bokoré. Mesdames et Messieurs, en février de l'année dernière, la tenue de la première réunion des ministres de la Défense et des pays de la région de l'océan Indien a vu la participation d'une délégation de la République de Djibouti. Ce déplacement a permis d'avancer sur plusieurs sujets de fond et je crois a montré la force qu'il y avait dans la relation bilatérale entre l'Inde et la République de Djibouti. La nature de l'accueil chaleureux, l'enthousiasme inédit par les délégations djiboutiennes à rencontrer de la part de leurs hôtes indiens démontre aussi pour moi aujourd'hui un signe fort de l'intérêt de l'Inde pour la consolidation du partenariat entre nos deux pays. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti, qui est située dans une région tourmentée, reste un petit pays stable et qui fait face avec la communauté internationale, au terrorisme international, la piraterie maritime au large de la Somalie, aux phénomènes migratoires complexes et trafic d'êtres humains, réfugiés et personnes déplacées par les conflits dans la région. Le thème de la réunion d'aujourd'hui, qui est le renforcement de la paix, de la sécurité, la coopération des pays de la région de l'océan Indien cadre parfaitement avec la politique avisée et sage du président de la République de Djibouti, Son Excellence Ismaïl Omar Guelle, qui s'est toujours efforcé d'entretenir des relations de bon voisinage avec ses voisins et continue à œuvrer pour la promotion de la paix, de la sécurité au plan régional, continental et international. Aussi, je tiens à saluer la vision du Premier ministre de l'Inde pour son idée du concept de sécurité et croissance pour tous, SAGAR, qui contribue à renforcer le dialogue et coopération entre l'Inde et le continent africain. Pour finir, je voudrais remercier le ministre de la Défense de l'Inde pour l'organisation de cette importante réunion. Également, j'adresse mes remerciements aux honorables ministres présents pour le temps d'écoute et vous souhaite à tous une réunion fructueuse. Merci de votre aimable attention.